We'll be right back.
C'est dur, hein. Microphone activated. T'en penses quoi pour l'instant? Ah, c'est pas si dur que ça en fait, faut juste prendre le coup en fait. Je vois que tu trouves que t'es un peu trop. Tu te la joues un peu trop furtif quoi. Faut pas hésiter à y aller comme un gros bœuf et au bout d'un moment tu commences à prendre le coup de gérer vachement l'IA et le taper au bon moment et gérer les portes et sur le truc. Ah mais c'est chaud hein. Si t'as une arme derrière la porte. Ah mais oui c'est vrai. Ah oui j'avais oublié le coup de la manette. Sinon tu peux les attirer et les pousser avec la porte. Vas-y. Ah c'est énorme, hein. Franchement. Je trouve que dès les premières minutes, tu sens le potentiel du jeu. Bon, l'histoire, c'est un peu space. La musique est énorme. Poser ta petite galette. C'est clair que c'est ça fait un peu épileptique quand même. Bah je trouve que ça fait vraiment ambiance drive tu vois, Kavinsky. T'as des espèces d'intermissions comme ça où tu vas rencontrer des gens qui te donnent des missions. C'est juste des prétextes de calme avant la tempête. En fait, il te donne un truc, tu as un espèce de. À chaque fois, t'as un truc con à aller chercher, c'est ta prochaine mission. En fait, ton masque, ça te donne des compétences. Donc, au début, ça fait pas grand chose, puis au bout d'un moment, t'auras des trucs sympas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut y aller. Bam, t'es méga brut, c'est tout. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais. Hein, t'es un gros killer. Bon, après, c'est vrai que t'as des fois des pièces où tu peux pas aller trop vite, mais. Je pense que l'idée c'est d'essayer de. Bim! Ah, si. Je pense que l'idée c'est de prendre le coup. Ah oui, t'avais plus de balles. Ah non, tu as tué?
Ah putain, il t'a tué. Ah, excuse-moi, j'ai un décalage. Ouais, je pense que moi, enfin, c'est ça le truc, c'est de foncer pour prendre le coup, parce qu'au bout d'un moment, tu prends vraiment les réflexes. Ouais, tête de balle dans le... Pas sûr qu'il soit mort, lui. Ouais. Vache! Je lui ai arraché la tête. T'as fini le chapitre. Attends une seconde. J'arrive plus à se connecter sur un wifi tomato, je sais pas si tu connais. C'est un firmware open source que t'installes sur un switch standard. Et pas mal. PC. Et ouais, c'est un
Ouais, c'est un truc en fait que t'installes sur tu t'achètes un firmware, t'achètes un routeur normal et puis ensuite t'installes ça dessus, puis ça te. La meilleure, tu dois connaître DWRT peut-être alors du coup. Voilà, c'est un peu dans le même style, sauf que Tomato c'est réputé beaucoup plus. Réputé beaucoup plus. Comment dire? Putain, je trouve pas mes mots là ce soir. Pas fiable, merde. Fiable, plus stable. Parce que 2DWRT c'est vraiment le truc hyper hyper comment dire, putain, waouh, bordel de couilles. Ah, faut que j'aille me coucher là. Hyper comment est-ce qu'on dit ça, que c'est compatible avec énormément d'appareils. Hyper standard, non, c'est pas comme ça qu'on peut dire, c'est hyper. Hyper compatible. Hyper permissif. Alors que Tomato, ça s'installe sur que sur quelques routeurs, donc en fait, faut d'abord regarder, choisir que tu veux installer Tomato et ensuite acheter ton routeur. Sinon, t'as de grandes chances que ça marche pas. Ah. D'accord, je crois savoir où est le souci. Je suis sur la même fréquence qu'un routeur qui est juste à côté. Je pense que ça peut poser souci, ça. Tu vois, c'est genre une fonctionnalité de Tomato parmi des centaines d'autres. Quand tu choisis ton canal, tu fais un scan et il scanne tous les canaux et il te dit les routeurs qu'il trouve sur les canaux. Du coup, tu peux choisir un canal, il y en a pas. Et oui, t'hallucines, hein? Ouais, ça c'est dur. Je te dis, c'est un peu comme. C'est un peu plus proche de Super Meat Boy au niveau du jeu, faut y recommencer plusieurs fois. Ah oui, je l'adore ce niveau. Ah, mais ah oui, mais t'as carrément de chance, là, tu commences direct avec une arme. Moi, à ta place, je poserais ma mitraillette. Et j'irai au point. Non, bah tu vas au point. Tu la jettes. Et tu vas taper le mec. Tac, tu le tues. L'autre qui est en bas, par contre, t'as moyen de passer sans qu'il te voit. Tu prends le couteau, tu lui lances au mec en haut. Ah, nickel.
T'attends que le gars passe, t'en shoot un avec la porte, tu tues l'autre. Et y'en a trois. J. Espace, ah c'est bon. Ah dommage. C'est énorme, j'adore, putain, franchement je kiffe ce jeu. T'as vraiment l'impression d'être un putain de killer, mais t'as du plaisir en fait à le faire quoi. C'est pas super facile. T'as l'autre qui rentre, qui t'entend. Ah putain. Bon attends, je vais voir si ça marche.